jamais assez. Effectivement, toutes les prêches, toutes les prédications, en tout cas la communauté nationale est presque unanime à reconnaître que c'était une chance d'avoir cet homme comme cardinal qui a fait la fierté au-delà même des frontières nationales. Et celui-là, c'est l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte, une organisation internationale à laquelle le cardinal archevêque émérite de Kinshasa était très attaché. Mbuyel Mangal, la messe va bientôt commencer parce que jusqu'à Kusema, je vois déjà dehors le cortège sacerdotal qui est presque déjà qui va bientôt s'ébranler pour les débuts de la messe. Oui, effectivement, la cérémonie de obsèques officielles du cardinal archevêque émérite de Kinshasa entre dans leur dernière phase avant la mise en terre, ici même dans l'église cathédrale de Notre-Dame du Congo, comme vous l'avez dit. Tout le monde politique et religieux voudrait assister à ces derniers instants de cette grande cérémonie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Denis Sassou Nguesso vont également participer à ces moments. Il est vrai que pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19, des dispositions ont été prises pour concilier à la fois la sécurité sanitaire et l'effervescence populaire d'hommage au cardinal archevêque. C'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure que tout dans le jardin paroissial, ici on a dressé des tentes pour contenir un peu plus de monde. Et aujourd'hui, dans le réseau catholique, pratiquement il n'y a pas d'enseignement. Depuis hier, les écoles conventionnées catholiques avaient sollicité et obtenu du gouvernement provincial que leur soit accordé 2 jours d'hommage au cardinal dans une lettre que nous avons. Normal, hein, normal. Normal, c'est la journée d'hier qui leur a été donnée, mais une dérogation spéciale leur a encore été accordée dans la plupart des écoles, en tout cas. Il n'y a pas de cours aujourd'hui, justement pour leur permettre, à ceux qui peuvent faire le déplacement de la cathédrale, d'assister à ces moments, à ceux qui ne le peuvent pas, de les suivre à travers la RTNC. On a parlé tout à l'heure, Guimatundu, du charisme du cardinal Laurent Mosengo Pasinya, aussi charismatique que ses deux prédécesseurs, mais à la différence que celui-ci, on a vu depuis son ordination sacerdotale jusqu'à son ordination. C'est le cardinal de notre jeunesse. Exactement. Donc, il a été ordonné le 4 mai 1980. En plein cœur de Kinshasa, devant des milliers de fidèles, ils ont suivi tout son parcours qui l'a amené jusqu'au cardinalat. Donc il y a une espèce d'un attachement particulier pour ces prêtres dont on a suivi tous les pas au niveau de l'église depuis son ordination. Et puis en plus, il a travaillé dans toutes les structures. On a parlé de son passage au niveau de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il n'était même pas encore cardinal, il n'était pas non plus archevêque de Kinshasa lorsque il prenait déjà la parole pour le compte de l'Église. Donc c'est tous ces éléments réunis qui font qu'aujourd'hui, Mosengo, Laurent Cardinal Mosengo, est une personnalité, est une icône pour l'Église et même aussi pour le pays, ce qui explique la présence nombreuse ici de personnalités aussi bien religieuses que politiques. Ariel Mangal, un mot. Et pas seulement ça. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a vécu à Ilomover, Mongobele, dans le village, alors qu'il était encore au petit séminaire. Il s'est raconté déjà des histoires autour de la personnalité de Mosengo. Dites-vous, en ce temps-là, alors qu'il est encore au petit séminaire, son intelligence a fait que dans le village, on imaginait, on pensait déjà qu'un jour Mosengo sera pape autour de lui. Quelle était l'idée qui accompagnait, non? Chez eux, ils considéraient que Mosengo jouerait ce rôle. Mais voilà l'ascension qu'il a connue,
jusqu'à se retrouver au consulat. Déjà être le cardinal, c'est déjà l'électeur du pape. Et donc on peut être candidat. Il n'a pas été candidat, il est à quelque part. Voilà, c'est déjà le début de la messe. La messe qui sera, qui est dite par Monseigneur Dieudonné Nzalapanga, Nzapalanga, cardinal archevêque de Bangui, il vient donc de la centrafricaine voisine. Et donc la messe sera célébrée par lui et concélébrée par cinq autres cardinaux. Il y a bien sûr celui de Kinshasa, Fridolin Ambongo Bessoumou, John Onaikan, archevêque émérite d'Abuja. Il y a aussi le cardinal Philippe Oueg Draogo, il est archevêque de Ouagadougou, et le cardinal Antoine Kabanda, qui nous vient de Kigali au Rwanda. Et donc, micro à Mamie Ilela pour la suite de l'événement. Matonde Botongi, Guy Matundu, Balandi, Radio Télévision Nationale, Outo Cathédrale Notre-Dame, Yalingwala, Yézoame Commune, Yalingwala, Ukulanabon Kuanda Misa, Ni Mikosambila Masika Sika, pour Kondo, Tata Cardinal Laurent Mosengo Pasinya, Oyo, Asita Kotika Bisu, Leki, Moi Mikolo, Mikinya Poto, Pelolo, Yende Kusalema, Bukundami Boye, Lobby, Selema Ki, au Pays du Peuple, Misa, Mamiene, Wapepa, Banaba Christ, Bayamba Catholique, Ya Congo Kinshasa pe ya mokina mokili basangana ki po kopesa ye mbote ya suka pona lolo ezali misa pe sima na ngonde bekunda ebe kosala bongo misa ya mokolo mololo mako kambo ma na tata episcopo tata cardinal ya mboka Bangui Monseigneur Dieudonné Zak Palenga pe akozingama na batata cardinal ya ekolo ya mboka Kigali ya Ouagadougou ya Jamina na pe archevêque émérite ya Abuja baona batanu nde longo na tata kamba de donesa palenga ya Bangui nde bakokamba misa maye bongo pona lelo eloko ya kosala ezali susite pona Laurent Mosengo Pasinya pamba pe ye asilisi mosala moye awa mokili mwasi kobanda akulaki bonganga nzambe na bobu nkoto kama ni bwana tuku motoba lelo apokisi bikila biso biele sengeli kosalema bonganga nzambe akomi bonganga akomi tata episcopo akomi cardinal pe azupe bopemi bo tata cardinal pe sika asenge na bopemi bwa solo pe bokolo ya ye mokeli mozalisi ya moni malamu te sengeli te mwana wanga osala mosala malamu sala bongo okota na kembo bongo awa na biso tozali misa ya lokumu ya kumu kwa kotondo nzambe pona ibonza kitoko wala pesa kiko ya biso na nzela ya Laurent Mosengo Pasinya kubanda mbota maya ye na o etali kelasi esika kelasi suka ki Laurent Mosengo akomaki esika mosala bonganga nzambe suki Laurent Mosengo akomiti ya zubo pemi na mosala mango pelelo akozwa bongo pemi wa seko bokunda miboye boko salema awa okati ya katedrale bongo ya mbote tonde mboza yoko na bilili manso mabongisa mpamba te lukumi ya suka yiko pesa mana Laurent Mosengo Pasinya yiko zarape boso ya bakambi ya biko bibale ya Congo Kinshasa na pe Congo Brazzaville misa mabiso malinko banda na wenge boza yoko muna ba tatale pisco pour avoir eu ingela kasi Charlotte Kabanga ngo ipofu ba ila biso azo msika kuna na kananga malandi wa nshinga ba sengepe ko yeba nini zai ko sema awa na ngoma nchasa to sek dilan mami lela to sek dilan une bonne soirée pour l'onde RTLC Muchikondo ici tout ça ami pour mon cathédrale Notre Dame du Congo Muchimenga cha Kinshasa moi ba kalemi somle ne ba kwenze ka miso di shinjiki jenine de mofo Monseigneur cardinal Laurent Mosengo Pasinya Vomikala archevêque Wachimenga cha Kinshasa ni mikala kabidi mulomboji wa bisumo bishilanga na muntu mwa jitunga jetu cardinal Laurent Mosengo Pasinya vomishana blaba mujama to kujiku mi chimwa ngondo mwisambombo ni patu to kulafa cardinal wangondo ni nkuho to kulafa ni bomushika anomu cathédrale mona nkuma buju mikala usangani bobitalo ni nkita ya cardinal Albert Malula na shaka biji Frederick Chau Zambi ba Mungu bi ni tupa mwenye ni nkachia ba fumanenda mungu ya dumi ya mungu ba fumanenda kujitunga ya France ku Versailles kufumika ili mufu ili mungu ya 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 mungu
Cardinal Dieudonné Zampalanga wa chimewa jutunga ja République Centrafricaine mutimenga sia bangi ni ba munungulula kujiba cardinal ba kwa bobonso bomuje cardinal Philippe wa Burkina Faso cardinal Kibali wa Rwanda ni kabuji ni pikala fu kujiba cardinal wa ku Djamena ni tunambile jine jenda mumbi tumu bidibla kumpaleku inshallah kumaise Laurent Mosengo Pasinya wa cardinal munu mutimenga sia Kinshasa archevêque wa chimenga chi Motorja, Muleji Boko Sagala Mongombele, Mujama to Commander Mutaketa, and Mondo Jacumi, Chilimucha, Binu, Chilun Kamistem, and Mukmasa to Nichitema, Kwakanaka, Mo Province, Wama in Dombo, Pinji, Cardinal Laurent Mosengo Pasinya, Badiba Mujila, Mabeku Mongombele, Kadiba Mujila Mubushima, Bolna Shukasa, Yabaling, Bakshin Termino, Kukana, Malanga Shinga, Kumbushima, Babaling, Lam, Yabian Sunibika, and Sangibo. Badiba jila cardinal Laurent Mosengo Pasinya yeye vumuto alijamika na mwana mudoni bwase alonga kalasa bomusombera bobalonga kujibantu bonse bokushala sasere do soin vide mukulu Laurent Mosengo Pasinya mulon de pito fabion sbe vikenge jibo kushala yi musali du mukulu muchi dimu chachinu kama chitema na makumi asambo mune chisatu kuva kushala mu episkopu Muchiri muchachiri nunga mishite mani maku muanda mungulu Bifomu ni muchi mengecha kinchasa kubianza bia Papa Jean Paul II Kumpala kwa msuburujiba bikini mpali di peple Mwabuso mbelebati wito muna mfanka Bakwa chini mjimu ya bu Laurent Mosengo Pasinya kimushikizilani waputu Mwende menshi wakala nda musenga Mufunda mikanda, mufunda malu manina Ajibantu ba kuleje bantu ba se bantu ba fika bini chaba kwenza misani ku ba la muka ndo wanzambi bini shilangi ni abu nikabu kulukabu Laurent Mosengo Pasinya mwanzo mujumu mune na bena muka nda mba muteka mumanyi mufilu kwa wamalu ajatangila kubala kwa muka ndo wanzambi kubala bini ndo shila mginga juri ya bantu ba shile shilangana Laurent Mosengo Pasinya walikushala kumpala mpala kwa kanaka Zeko kuzulie kani tatu mwambulishi mkubi mwambulishi kuluseka lwa inongu Nipo shishi waluku ya kukisangani kufumuka la kabuja archevek Nikumbuki kukisangani ya ufumofinga na mungu wasa Frederic Nzambiba mungu wabi Ufumikala mwana mchumenga cha Kinshasa Tuji kuluseka lwa wamba kudipopika daba sangani bwa kuji wetu Genevieve Vinagosi Mwa province wa wetu wele badiba mujila ma mujenje vinagosi ni bonso de bekala bamunya mubila badi badila mpinje kuamba badila cardinal Fred Laurent Mosengo Pasinya ni tout bonso badi mwabeu bachi pita bashi de shina ngani abili ni msangani bwa mo province yon swi nuji Laurent Mosengo Pasinya mufu shidi tungene tula kongwa munga na tolu mulu nene lune na bwalu yeya uve mu chifufu cha bafu basungula mo papa wa mpinje papa François chikolokolo mwambile bukoto ni kutangusha langana mishi Toa sakidila Charlotte Kabanga wango impofu, gina tundu, pona kwa ingi ya leleo katedrali, singeleki kuzana lukasa, pambate, ukundami ya mtumbuneni sele magape na mwa bikila na yango. Bae banso, bazali na mwa lukasa, ndebo zae kumuna, ndeba ingeli leleo pambate zaini mkoro ya suka. Bongo tokuliki ya te kompanyi na biso ya lukumu hoto mingaka mingi ya utiliki snel, eko sala te babiso beba zwami uba andako, uba ibobituka, ukati ya molongo mba, Tumai mingi au mbanchasa, sinelo tolingaka mingi. Kwa sala te munda moza la pote, bae bazae kwa ndapiso sikolo na Saint-Luc, kuno pa maite esi boluka, bala ndapengana buke bibonso, misa mizae kwa sambi la maawa, katedral Notre-Dame ya Lingwala, wape pae na mwango nga moke, tuku kena bongo kotika tata Cardinal Laurent Mosengo Pasinya, na esika ibongisa mpo na ye, zinga zinga na batata Cardinal Basuzu babasika kotika biso, tutangiwa na Joseph Albert Malula na Olenge Mbuyal Manga Rubi atika iko sana poste note ye bye bye tata cardinal kuma lokwa cardinal ndi kombu na ye poste no Malula cardinal c'était Malula tango nzambi bangu ba mungu abe ko ingila ndi komi tata Frederic Chau nzambi ba mungu abi sima na yango pe doko zwa tata Laurent Mosengo Pasinya wana bongo episcopal lokumu ambongo bisungu atelemi soki oko limbo ya baize ko nda biso sikana mujima wa balengela mpe kuna na Congo Central mai mazeko sema sikalo kota difference
Mamie, pour, je veux rebondir en ce qui concerne la SNEL, la Société nationale d'électricité. Cette entreprise ne doit pas seulement desservir ou donner de l'électricité, pas seulement pendant ces périodes-ci. Donc, la desserte en électricité doit être permanente et à tout instant. Ben voilà, ça c'était juste la petite parenthèse que j'ai ouverte et que je referme finalement très vite pour dire à nos nombreux téléspectateurs qu'en ce moment-ci, les 5 cardinaux qui vont célébrer la messe sont sur le perron de la cathédrale, sur le parvis donc de la cathédrale Notre-Dame du Congo, sur l'ex-avenue du 24 novembre, où ils donnent le dos à la cathédrale et ils regardent sur la grande route d'où viendra dans les instants qui suivent le deux chefs d'État, à savoir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue congolais de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Et donc, si cette image illustre bien cette attente, la messe ne peut pas commencer sans ces autorités-là. Jusqu'à Koussema, dans un tout petit instant, le chef de l'État sera là, vous pouvez le confirmer. Oui, les 5 archevêques concélébrants de cette Eucharistie sont déjà debout à l'entrée de l'église cathédrale pour accueillir justement les deux chefs d'État. On a vu les évêques, l'ensemble des évêques présents ici, former une haie d'honneur pour recevoir les deux chefs d'État qui sont déjà en route et qui vont d'un moment à l'autre arriver ici à la cathédrale pour assister à cette messe qui devrait nous conduire jusqu'à l'inhumation dans la même église où deux cardinaux avaient déjà été enterrés. À ce sujet, nous voulons justement apporter la précision. Voilà, la grande grille est en train de s'ouvrir, donc c'est dire que le cortège présidentiel va entrer d'ici quelques instants. Donc nous parlions de l'enterrement. Ici même à la cathédrale, 8 caveaux sont aménagés et que sur le 8 il y a un troisième donc qui va être là. Il y avait deux qui étaient enterrés ici, Joseph Albert Malula et puis Etzaoun Zabiba Mungwabi et aujourd'hui Laurent Mosengo Passigna. Donc 3 caveaux et il y en a encore 5 qui ont été aménagés ici dans l'église cathédrale pour recevoir les autres cardinaux qui de la République démocratique du Congo. Donc c'est la précision à donner, il n'y a pas eu de profanation, il y a eu un aménagement simplement pour donner un peu plus de place. Et c'est une précision qui nous a été donnée par le clergé. Donc le président de la République fait son entrée ici dans l'église cathédrale pour donner l'ego à cette Eucharistie qui va nous amener. La grande grille est déjà ouverte. On a vu tout le service de la présidence de la République s'ébranler. Donc c'est dire que d'ici quelques instants, ils vont faire leur entrée ici et ils vont poursuivre la procession pour cette messe. Et comme on l'a constaté, la dépouille mortelle est déjà arrivée ici depuis 9h. Ce matin, c'est cercueil en bois d'une sobriété rare. Il n'y a rien en dehors du crucifix qui a été déposé et la Sainte Bible. C'est cercueil où gît le troisième cardinal de la République démocratique du Congo. Et donc c'est cela, Guy Matundu. Donc c'est au tour du tout dernier cardinal d'Afrique, hein, c'est parmi les tout derniers cardinaux créés. Il était jusqu'ici archevêque de Bangui et puis devenu cardinal. C'était au dernier consistoire de Rome avec le pape François. Pape François, effectivement. Il est l'un des plus jeunes aussi. Mais avant, justement, la Centrafrique, comme le Congo-Brazzaville, était aussi pratiquement sous administration apostolique du cardinal de la République démocratique du Congo maintenant aujourd'hui. Lui, comme le cardinal Laurent Monsengo, il a joué et encore maintenant, il continue à jouer un rôle important dans la vie sociale en République centrafricaine. Vous connaissez tout ce qui se passe là-bas, dans ce pays-là. Et il a plusieurs fois haussé le ton pour dénoncer à temps et à contre-temps
toutes les dérives des acteurs politiques et sociaux sur place en République centrafricaine. C'est une voix qui compte, en effet, comme tu le dis. C'est une voix qui compte, et peut-être que c'est le Saint-Siège à tabler sur tous ces éléments pour l'élever à la dignité cardinaliste. L'un des faits significatifs, Guy Matundu, c'est qu'en pleine guerre entre les Antilles, Balaka et les forces régulières, on a vu Monseigneur, il était à l'époque archevêque, l'archevêque de Bangui, aller jusque dans les fiefs des deux parties pour lancer un appel de paix. Il avait été entendu, et puis on a vu par la suite ces pays qui revient pratiquement à sa vie normale. C'est aussi grâce à cette voix de l'Église, grâce à l'archevêque Nzapayenga qui aujourd'hui est arrivé à Kinshasa, et il est c'est lui qui va présider en fait à cette Eucharistie, même s'il sera assisté de ses 5 autres cardinaux d'Afrique qui sont venus ici exprimer leur proximité et leur compassion avec l'Église Famille des Dieux de la République démocratique du Congo. Merci Giscard Kousséma. Mamie, il est là. Voilà. Pour ceux qui sont à Kinshasa, Mbandaka, Bikoro et à Mongobele, qu'est-ce que tu leur dis à cette étape de la messe? Pour kopesa tata cardinal Wabiso, puisque pour biso alokumu Laurent Mosengo Pasinya watiki biso yakima mikolo misa mia ya suka linko salema nini ya koloba zaire susute lele zaika kopesa lokumu na nkolo nzambe na lolenge apesa biso ni bonza ya kitoko moto ya mayele moto ya bwanya episcopo alokumu to tangi wana Laurent Mosengo Pasinya weyo akokisi mosala na eti na suka kobanda kula ka bonga nzambe kokoma episcopo pe tata cardinal pe abomopeni si bon cardinal pe lolo bongo bamobiangi na mokenywaye pe lolo tata cardinal Laurent Mosengo nde akopema na boboto simamisa maye mikosambela maa pe mikokambe maboko na batata cardinal batano Ola biso ya sola pe baye baye na eba zwami ayo kate kola biso pona misa maye. Guy Matundu na mwono kola mkonja mboka na pe mwoninga wa Congo Brazzaville ba inge. Comme hier, ils empruntent le même véhicule officiel. Voilà, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et de l'autre côté, son homologue du Congo Brazzaville, accueilli sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame du Congo par l'ordinaire du lieu, il faut le dire, Fridolin Ambongo Besungu, cardinal archevêque de Kinshasa. Voilà, quelques instants, qu'un court échange avant les débuts de la célébration eucharistique. Donc après l'accueil, et donc la messe va pouvoir commencer. Bouyal Mangal, jusqu'à Poussema, on peut présumer que la langue qui est en train d'être parlée par le toit du Congo, c'est le Lingala. Effectivement, c'est la langue de l'espace, en tout cas ecclésiastique, hein, c'est la langue partagée par le pays, mais aussi ces trois pays, le Congo Brazzaville, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, partagent également le français comme langue. Ils sont dans un même espace culturel, c'est le même peuple, la même foi également. Donc voilà, c'est ça. Et donc là, le cardinal Fridolin Ambongo est en train de présenter aux deux chefs d'État les autres cardinaux qui sont venus de cinq pays. Il a commencé par Dieudonné Nzapalanga de Centrafrique. De l'autre côté, je crois que c'est le cardinal archevêque de N'Djamena. Alors, il y a le dos, il nous tourne le dos, on ne saura pas savoir c'est
qui exactement, mais la cérémonie de cet instant, donc c'est donc la présentation des autres cardinaux. Alors, je vais être l'archevêque émérite d'Abuja, John Onalkeye Khan, qui est à l'extrême droite, à côté du cardinal archevêque de Kinshasa. Donc, juste, oui. Polyglotte, nous pensons qu'il parle français, hein, parce que généralement, à ces niveaux de responsabilité, il parle plusieurs langues. Et même le Nigérian qui appartient à l'espace... La preuve, c'est que hier, le nonce apostolique a parlé en lingala. Voilà, exactement. C'est une des exigences au niveau de l'Église. Hein. Ils ont la capacité de parler plusieurs langues. Même le cardinal défunt, lui, je crois qu'il battait les records. Parce 14 langues. 14 langues qu'il maîtrisait parfaitement bien. Et parce que tous, comme citoyens de Rome, ils commencent par l'italien. Ça, c'est les classiques. Tous... ou presque, en tout cas, parle italien. Bon, chacun garde sa langue. Et puis les autres langues de l'Église. Nous pensons qu'ils ont parlé français. Voilà, les deux chefs d'État vont faire leur entrée ici au palais, j'allais dire à l'église, cathédrale, à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ils vont faire l'entrée et puis la procession épiscopale va suivre pour le début de cette Eucharistie qui va amener vers le Zapsout et l'inhumation dans un caveau qui a été aménagé ici même et où sont déjà enterrés deux cardinaux, le tout premier, Joseph Albert Malula, et puis le second, le cardinal Echaou. Voilà la foule qui s'élève, l'assistance donc s'élève pour saluer l'entrée ici de deux chefs d'État, mais aussi de l'équipe qui est épiscopale, qui va présider à cette Eucharistie. Et donc, l'entrée de ces deux chefs d'État va entamer donc les débuts de la célébration eucharistique. Les deux chefs d'État sont conduits par le recteur de la cathédrale Notre-Dame du Congo, M. l'abbé Camille Essika. Donc, la messe va devoir commencer le temps que les deux chefs d'État s'installent, se mettent et la procession pourra commencer. Voilà, bien. Oui, le dispositif change, le protocole est respecté, le protocole d'État veille au grain et la responsabilité politique au plus haut niveau qu'on attendait, les deux chefs d'État vont s'installer. Ce qui va permettre aux évêques de pouvoir maintenant avancer pour s'installer, aux évêques pour pouvoir dire la messe. Et quand vous regardez de plus près, l'Église a pris la forme de l'événement, un événement de deuil à travers de ces couleurs pourpres qui sont visibles. Alors, donc l'Église est peinte aux couleurs de l'événement, le président Denis Sassou. C'est déjà installé sur un siège à nous. Nous sommes rassemblés dans cette cathédrale Notre-Dame du Congo pour célébrer la naissance au ciel de notre père archevêque émérite, son éminence le grand cardinal Monsengo Bassignan. Oui, frères et sœurs, nous sommes destinés à mourir. Mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, le cœur de Père de notre Dieu nous sauve par la victoire du Christ ressuscité qui nous fait revivre avec lui. Et nous-mêmes essuie nos larmes, car le dernier ennemi, la mort, a été vaincu. Fort de cette foi, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir la procession. Thank you.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en commençant par nous reconnaître humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Associer maintenant à leur bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Passer de la mort à la vie. Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Nous lisons au chapitre 3e, les versets 14 à 16, pieusement suivant. Bien-aimé, nous savons, nous, que nous sommes passés de la vie à la mort. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait, heureux les pauvres des cœurs, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Veuillez vous lever. Accueillez la parole de Dieu. Nzambe maboko makasi Tomete la paix tata cardinal Laurent Mokonzi makasi Éminence Fridolin cardinal Ambongo chers frères dans le cardinalat Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État. Mes frères dans l'Épiscopat, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités en vos rangs et grades, révérends pères, révérendes sœurs, chers parents, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, à vous tous, je souhaite la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'amour et de paix, qui nous rassemble autour de la dépouille mortelle de son serviteur, mon frère aîné, son éminence Laurent Cardinal Monsengo Pasini. Aujourd'hui, Dieu nous communique la parole de vie, chemin conduisant au bonheur véritable. Les hommes et les femmes de toute race, de toute appartenance ethnique, politique, religieuse et sociale. Tout au long de son parcours terrestre, celui dont nous célébrons l'entrée dans la vie éternelle, a été un ardent et fidèle serviteur de cette parole qu'il a tant étudié, promu, prêché, célébré et enseigné. Il s'est surtout évertué à en être un témoin authentique. À l'occasion de cette célébration, l'Esprit nous inspire de méditer les béatitudes, loi nouvelle du royaume des cieux que le Christ est venu inaugurer. Nous constituons aujourd'hui, avec tous ceux qui nous suivent de par les médias, un échantillon des foules immenses à qui notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dévoile le chemin du bonheur, la route conduisant au royaume de son Père. Royaume de paix, de justice, d'amour, de solidarité et de vérité. J'en suis sûr. Le monde entier et l'Afrique entière se réjouissent d'écouter encore Jésus leur dire « Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les persécutés pour la justice. Heureux es-tu, cher aîné, Éminence Laurent, Cardinal Monsengo, d'avoir répondu avec foi à l'appel du Seigneur et voulu que sa parole soit ferment de libération de tes frères et sœurs. Puisse cette parole pénétrer et transformer notre culture et être audible dans nos langues maternelles. Heureux es-tu, serviteur infatigable de la parole. Chers frères et sœurs, l'extrait de la première épître de Saint Jean que nous avons écouté nous rappelle l'essentiel en ces termes. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Toute la vie de notre père et frère, le cardinal Monsengo, était aiguillée par l'amour de Dieu et du prochain. Même dans la persécution ou dans les heures les plus pénibles, il fut toujours mu par l'amour. En effet, il était convaincu que Dieu éprouve ceux qu'il aime. L'année 1975 marqua certainement le grand tournant de sa vie. Son frère, qu'il aimait tant, homme intelligent, sociable et plein d'avenir, fut tragiquement assassiné. Néanmoins, au lieu de faire vaciller la foi de l'abbé Monsengo, ce drame épouvantable devint le secret de la force intérieure et de la persévérance que nous lui connaissons. Par le choix du pardon, au lieu de la vengeance ou de la haine, il s'est senti libéré. Au moment de la conférence nationale souveraine de 1991 à 1992, il exposa sa personnalité spirituelle et morale, ainsi que sa notoriété. En dépit des critiques acerbes et les paroles méprisantes, il resta ferme dans sa détermination à œuvrer pour le bien intégral de sa patrie entière. Chers frères et sœurs,
l'extrait du psaume 103 s'articule bien avec le récit de béatitude, tant il dévoile la tendresse et la bonté du cœur de Dieu, et surtout un tremplin pour comprendre et estimer l'engagement social du cardinal Monsengo. L'homme heureux est celui qui bénit le Seigneur de toute son âme et de tout son être, conscient de sa tendresse et de sa miséricorde. À travers les béatitudes, Jésus nous invite tous, dès maintenant, à œuvrer pour le vrai bonheur. Il nous appelle à passer de la mort à la vie. Par sa mort et sa résurrection, Jésus, dans l'avènement, le ministère, les gestes et les enseignements ont été si féconds à sceller avec l'humanité la nouvelle alliance, une alliance de vie et de paix. Il nous appelle dans nos tourments, dans nos luttes, dans nos espoirs à désirer la vie nouvelle, celle que Dieu offre à tous ses enfants. Ce message n'avait pas toujours été compris et accepté par les politiciens, voire les grands prêtres, les scribes et les pharisiens de l'époque de sa vie terrestre, et qui demandèrent sa mort. Toutefois, Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Il exhorte ses disciples à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 et 14. Kinshasa teleme, Kinshasa zala mwinda mwa mokili, Kinshasa zala munga mwa mokili. Son éminence, le grand cardinal Monsengo Pasinya, qui avait lutté de toutes ses forces pour le développement humain et intégral de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, a saisi la gravité de cet appel. À l'instar du maître, il n'a pas toujours été compris des politiciens et des religieux. D'où lui est venue cette force inébranlable, ce courage indéniable. En tant qu'homme de foi, il a été illuminé par l'exemple de Jésus, qu'il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Le secret d'une foi inébranlable, vivante et active, c'est l'amour. L'amour de la parole de Dieu et l'amour de la vie nouvelle que Jésus a inaugurée. Et quand il promet l'avènement définitif à la fin des temps. Il me vient en tête cette phrase du philosophe chrétien contemporain, Sylvain Clément, laquelle étaye pertinemment le message évangélique et explique toute la vie de son éminence, le grand cardinal Monsengo Pasinya. Je cite: mais quand l'amour passe en nous, il chamboule tout, il bouleverse tout, pour en réalité, en profondeur, mettre chaque chose à sa place. Fin de citation. Éminence, comme Saint Paul, tu as combattu jusqu'au bout le bon combat. Tu as achevé ta course. Tu as gardé la foi. Que le nom du Seigneur soit béni et loué à jamais. Chers frères et sœurs, beaucoup s'interrogent sur le sens et la pertinence des interventions de l'Église sur des questions sociales et politiques. L'enracinement de l'engagement de l'Église se trouve en Jésus-Christ, dont la parole est intégrale. À nous, hommes de Dieu et disciples du Seigneur, le témoignage du cardinal Monsengo nous rappelle qu'il faut annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Quelles que soient les péripéties, les mésaventures, parce qu'elle est parole de salut. Souvenons-nous du geste plein d'amplitude du semeur, ainsi que de la destinée de la graine. Quelle que soit la qualité de la terre sur laquelle elle tombe,
Rien n'empêche le semeur de semer inlassablement. Et surtout, souvenons-nous que la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, ne reste jamais sans avoir produit un effet. L'homme de Dieu qui annonce le message du salut n'est pas un opposant politique. Il le fait au nom de l'Évangile, lequel nous invite tous à la conversion. Yann Laurent, tu nous quittes pour la patrie nouvelle où nous désirons ardemment vivre en terme, au terme de notre vie. De là où tu es dorénavant, intercède pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Yann Laurent, Opema Naboboto. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l'Église. Aujourd'hui, tu es déposé en terre congolaise. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Mère de Jésus-Christ, Mère de l'Église, Mère des consacrés, Mère de l'humanité, et Saint Joseph, gardien fidèle de l'Église, votre fils Laurent a marché son chemin, a connu son épreuve d'endurance jusqu'au bout. Maintenant, de votre puissante intercession, accompagnez son avènement dans le ciel et priez le Seigneur de susciter encore et toujours des hommes et des femmes brûlés du désir d'annoncer la bonne nouvelle du salut, maintenant et pour les siècles des siècles. Avec révérence, je vous prie de bien vouloir vous lever pour la prière universelle. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes alors que nous pleurons ton serviteur et notre Père, Laurent Cardinal Monsengo. Seigneur, nous te prions. Accorde la vie éternelle à notre Père, Laurent Cardinal Monsengo. Seigneur, écoute-nous.
grand cardinal Monsengo Passigna, dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants des dieux. Des grâces, écoute-nous. De ton corps, reçois-les à la table de ton royaume. Prions le Seigneur. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé. Pour que nous ayons la vie, assure-toi toi-même nos cœurs dans l'espérance. Seigneur, écoute-nous. Tous les hommes, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple qui t'implore en faveur de ton serviteur, Laurent Cardinal Monsengo. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Nous voici, frères et sœurs, au moment d'apporter nos dons au Seigneur. Comme Abel et Abraham, offrant le meilleur de ce que sa main droite nous a donné. Les paniers sont à notre disposition.
l'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour ton serviteur, le cardinal Laurent Mosengo, toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat. Fais qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie de tous les saints. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même,
à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Fridolin, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur, le cardinal Laurent Monsengwo, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, les bienheureux Bakanja et Anwarite, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je sais que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Qui les concerne. Après les prises de parole, nous allons procéder aux absoutes et à l'unimation. Pour l'unimation,
Nous allons inviter les curés doyens qui sont désignés pour porter le corps, la dépouille mortelle. Ils vont le faire en deux temps. Ils porteront la dépouille mortelle jusqu'au lieu de l'inhumation, puis sortiront par la porte du couloir et attendront là jusqu'à ce qu'on bénira la tombe et la dépouille mortelle, et on les invitera pour revenir et poser le corps dans la tombe. Les personnalités suivantes accompagneront la dépouille mortelle dans la crypte. Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Leurs Éminences Messieurs les cardinaux. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Son Excellence Monseigneur Edmond Chitanga, archevêque de N'Djamena et président de la Conférence épiscopale du Tchad. Son Excellence Monseigneur Victor Abania Mossa, archevêque de Wando et vice-président de la Conférence épiscopale du Congo. Deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa et deux membres de la famille du cardinal Laurent Monsengo. Ça fait au total 15 personnes qui entreront dans le lieu de l'inhumation, même pas les caméramens. Immédiatement après la messe, viendra le tour des personnalités suivantes. Les deux présidents des deux chambres du Parlement, les deux premiers ministres de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, ainsi que les évêques. Après la messe, les personnes qui le désirent peuvent aller visiter par groupe de 7 le lieu d'inhumation qui par ailleurs restera ouvert tous les jours pour des recueillements. Avant les prises de parole, je vais inviter M. l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, pour nous présenter les cardinaux et les évêques présents à cette célébration eucharistique. Pour les prises de parole, nous allons commencer d'abord par la famille. Un membre, un délégué de la famille prendra la parole. Il sera suivi du représentant du clergé de Kinshasa, puis viendra le tour du président du CHEAM. Et enfin, nous allons remettre la parole à Son Éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. J'invite à présent M. l'abbé Donatien Chollet pour nous présenter les évêques, les cardinaux, ainsi que les évêques présents à cette Eucharistie. Voilà. Nous nous sommes tous rendus compte de l'expression de la collégialité cardinaliste. Hier, c'était le cardinal Fridolin Ambongo qui a célébré l'Eucharistie. Aujourd'hui, l'Eucharistie a été présidée par Son Éminence le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso et président du CHEAM. Le grand prédicateur du jour qui nous a surpris par sa maîtrise de Lingala, c'est Son Éminence le cardinal Dieudonné Zapailanga, archevêque de Bangui en République centrafricaine. Et nous avons le cardinal Antoine Kabanda, archevêque de Kigali au Rwanda, qui assurera les absents.
Nous avons le cardinal John Onaiken, archevêque émérite d'Abuja au Nigeria. Nous avons Son Excellence Monseigneur Edmond Djingata, archevêque de Djamena et président de la Conférence épiscopale du Tchad. Nous avons Son Excellence Monseigneur Abba Nyamosa, archevêque de Wando et vice-président du Congo, de la République du Congo. Nous avons Son Excellence Monseigneur Milando, archevêque de Brazzaville. Et nous avons Monseigneur Urbain Ngasongo, évêque de Ngamboma, République du Congo. Enfin, nous avons Monseigneur Louis Portelambouyo, évêque émérite de Kinkala, République du Congo. Invitons à présent un membre de la famille du cardinal Laurent Mosengo pour le mot de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellences, Monsieur de la République, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État. Je voudrais avant toute chose, au nom de la famille, vous remercier respectueusement et sincèrement d'avoir décidé de commun accord d'évacuer le cardinal Laurent Mosengo Passignan, mon frère, à l'extérieur pour y suivre les soins appropriés. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il a rendu l'âme à Paris. Et vous avez également décidé de rapatrier le corps. Les familles de Brazza et de Kinshasa vous sont infiniment reconnaissants. Éminence Fridolin, archevêque de Kinshasa, cardinal, je voudrais vous remercier aussi très sincèrement et fraternellement de nous avoir accompagnés dans cette dure épreuve. Dès que j'ai eu la décision des deux présidents, je vous ai immédiatement appelé. Et nous sommes restés en contact en permanence pour organiser le retour à Kinshasa. Je vous suis reconnaissant pour la sincérité et l'amour fraternel qui ont entouré nos échanges. Et je répète ce que j'ai dit à Lindongue, je suis un ancien petit séminariste. Personne dans la famille ne va vous manquer de respect. S'il y a eu quelques incompréhensions, je répète ce que j'ai dit, je présente toutes les excuses
à votre autorité. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la République du Congo, Éminence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le membre du Conseil supérieur de la magistrature, distingués collègues, Excellence, Monsieur le membre du gouvernement, Excellence, Monsieur les ambassadeurs, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et vous tous, distingués invités, en vos titres, grades et qualités. J'avais voulu au départ faire une planche sur la vie et la mort, mais j'ai suivi toutes les interventions des éminents orateurs, j'ai pris bon en vertu du principe latin que tous les juristes connaissent, non bis in idem. Je ne veux pas répéter les mêmes choses. C'est vrai que mon frère était très brillant, premier africain docteur en exégèse biblique, un intellectuel de haut vol, professeur d'université. Je voulais ajouter politicien, mais j'ai dit simplement qu'il a exercé beaucoup de fonctions au sein de l'Église et dans la politique. Il était brillant. Je crois qu'il a montré qu'il a su exercer, assumer tous les temps, les talents que Dieu lui avait donnés. Grand frère, tu as accompli et réalisé ce que Dieu attendait de toi. Tu as mis à profit tous tes talents. J'étais copié comme organiste, mais chaque fois que tu jouais en ma présence, j'étais complexe. Quand on m'a dit qu'on t'a mis en coma artificiel pour te permettre de supporter les médicaments, un cousin du village m'a appelé pour que je fasse la cérémonie de la neutralisation des léopards que nous sommes. Je lui ai répondu, s'il est dans les poumons artificiels, de là où il se trouve, il voit son corps, il voit tout ce qui est autour de lui, et à un moment donné, s'il se rend compte que ce corps n'est plus habitable, il partira. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de Dugon, Éminence, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le membre du gouvernement, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Je vous ai dit que je ne veux pas répéter ce qui a été dit par des éminentes personnalités. Je m'arrête là et j'ai dit.
Excellences, Messieurs les chefs d'État, Éminences, Excellences, Honorables, chers membres de la famille biologique du cardinal Laurent Monseigneur Bassignat, distingués invités en vos titres et qualités, chers frères et sœurs, notre glorieux cardinal Laurent Monseigneur Bassignat s'en est allé depuis le dimanche 11 juillet sur son chemin d'éternité. Il a fermé les yeux à la lumière de ce bas monde pour les ouvrir à celle de l'éternité, et cela un dimanche, jour où nous célébrons la résurrection du Seigneur, jour de la victoire de la vie sur la mort. Notre vénérable et admirable Père a donc quitté la terre des hommes pour rejoindre la maison du Père éternel, maison de joie, de paix et de lumière. S'il est parti vers la maison du Père, c'est parce que Dieu n'a pas fait la mort. Sagesse 1.13. Car Dieu est la vie par excellence et il donne la vie en abondance. Jean 10.10. La mort ne peut donc l'emporter sur la vie. Telle est la foi dont a vécu notre cher cardinal Laurent. Telle est la foi dans laquelle il est mort. Oui, chers frères et sœurs, le cardinal Laurent Monseigneur Bassignat était un homme d'une grande foi. Non pas une foi moutonnière, mais une foi enracinée dans des convictions personnelles, comme par exemple, le Seigneur ne se laisse jamais vaincre en générosité. Dieu éprouve ceux qui l'aiment. Il nous prodiguait des sages conseils, comme par exemple celui contenu dans le titre d'un article qu'il a écrit alors étudiant en théologie à Rome, Locuta Ndekonamoïbi. J'en passe et des meilleurs encore. Il avait une foi féconde en bonnes œuvres, une foi généreuse et soucieuse des indigents et des nécessiteux de tout genre. Unis à notre archevêque, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, ainsi qu'avec ses auxiliaires, en ce moment solennel, où nous allons te conduire en ta dernière demeure, en ma qualité de président de l'Assemblée du clergé quinois, je prends la parole non sans émotion et avec des sentiments mêlés à la fois de profonde tristesse et de réelles actions de grâce, pour te dire, chère éminence Laurent Cardinal, du fond de notre cœur, un tout grand merci pour votre lumineux ministère épiscopal à Kinshasa et pour votre sollicitude paternelle. Tu as été pour nous un père attentif et attentionné. Déjà, comme séminariste, tu te donnais la peine de nous recevoir pour un entretien à bâton rompu au terme de nos études et ou à la veille de nos ordinations. Tu avais un réel souci du rayonnement du clergé de Kinshasa. C'est ainsi que tu nous as fait étudier
dans les universités les plus prestigieuses pour que nous puissions acquérir les compétences nécessaires pour la réalisation optimale de notre mission dans la vigne du Seigneur. Merci, Tata Cardinal Laurent, pour ta proximité, ta générosité et ton cœur de papa. En ce moment historique, nous te demandons pardon pour tous nos égarements. Du haut du ciel où tu te trouves maintenant, prie pour l'unité et la cohésion de notre famille cléricale quinoise, pour que nous soyons toujours, suivant les mots de votre illustre prédécesseur, le cardinal Joseph Albert Malula, un clergé pastoralement engagé, intellectuellement fort et spirituellement solide. Un clergé qui, à votre suite, n'aura pas peur d'affronter dans la société, tout comme dans l'Église, les défis de la lumière pour dissiper loin de nous les ténèbres du mal et des antivaleurs. Nous serons alors à même de nous lever et de resplendir en tout temps et en tout lieu de la lumière du Christ. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a opérées dans la vie de son humble serviteur, son éminence le cardinal Laurent Mosengo Pasigna. De même que pour le don qu'il a fait à notre Église, à notre pays et au monde entier, de ce pasteur talentueux et érudit, plein d'humanité et de générosité. Nul d'entre nous ne vit pour soi-même et nul ne meurt pour soi-même. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Puisse notre bien-aimé cardinal appartenir au Seigneur pour l'éternité. Tata cardinal Kendemala, eminentissime, et pater clementissimum in paradisum deducante angeli, requiescas in pace. Amen. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Éminence, Messieurs les archevêques, évêques, Messieurs les abbés, Révérends Pères et Révérendes Sœurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du corps diplomatique, illustres notables traditionnels et respectables religieux, distingués citoyens de la RDC, chers frères et sœurs, comme nous l'avons exprimé dans notre message de condoléances du 14 juillet 2021, c'est avec consternation et avec une profonde tristesse que nous, membres du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM en abrégé, avons appris la nouvelle du décès de son éminence, le cardinal Laurent Mosengo Pasigna, archevêque émérite de Kinshasa, décès survenu le 11 juillet 2021. Le cardinal Laurent Mosengo était membre du CHEAM durant 41 ans et il a exercé avec diligence et avec générosité deux mandats en tant que président du CHEAM de 1997 à 2003. Au nom des membres de l'Église Famille de Dieu en Afrique et à Madagascar,
Nous tenons à exprimer notre compassion, notre sincère sympathie à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, aux clergés, aux religieux et aux religieuses, aux fidèles laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa et aux citoyens de la RDC pour la perte de leur père et de leur pasteur bien-aimé. Le cardinal Laura Mosengo a été nommé évêque auxiliaire d'Inongo en RDC en 1980 et de nouveau évêque auxiliaire de Kisangani en 1981 et élevé au rang d'archevêque dans le même archidiocèse en 1988. En 2007, il est devenu archevêque de Kinshasa où il a travaillé jusqu'à sa retraite en 2018. Il a été créé cardinal par le pape Benoît XVI au consistoire de 2010. C'est le troisième du pays. En outre, il était l'un des prélats choisis par le pape François pour l'aider à réformer la curie romaine et dans l'accomplissement de sa mission pétrinienne. Le cardinal Laura Mosengo était un grand homme d'église, connu pour ses loyaux services qui étaient remarquables et efficaces. Ici, en RDC, le cardinal Laura Mosengo Pasilla était devenu une grande figure politique dans la République démocratique du Congo en 1991, lorsqu'il a pris en main l'animation de la Conférence nationale souveraine en vue de promouvoir la démocratie en dépit de la montée des critiques émanant de certains politiciens. L'année suivante, il était devenu président du Haut Conseil de la République et ce, durant 4 ans. Il a laissé ainsi une empreinte extraordinaire dans l'Église famille de Dieu ainsi que dans la vie sociale et politique de la République du Congo et au-delà. Dans le tablette newsletter du 12 juillet 2021, l'auteur d'un article décrit notre illustre défunt en ces termes, je le cite, « Le cardinal Mosengo s'est battu ouvertement pour la paix, le dialogue et les droits humains, une position qui l'a amené à adopter une attitude critique vis-à-vis des régimes autoritaires qui se sont succédés dans son pays, la République démocratique du Congo ou RDC, anciennement Zaïre. » Fin de citation. En effet, le cardinal a marqué de différentes manières la vie de nombreuses personnes. C'est pourquoi sa mort est une immense perte, non seulement pour l'Église famille de Dieu, mais aussi pour le peuple congolais, ainsi que l'Afrique tout entière et Madagascar. Le continent africain et de surcroît, l'Église universelle ont perdu un homme de paix, de courage et de détermination, un grand serviteur de l'Église et de son pays, un bon pasteur et un prince célèbre. Pour préserver l'héritage du cardinal Laura Mosengo, nous supplions vivement les dirigeants, les citoyens de notre bien-aimé pays RDC et tous ceux qui vivent dans le pays de travailler ensemble pour mettre fin aux conflits incessants et à la violence sur la population, notamment sur les personnes vulnérables. Par ailleurs, nous exhortons instamment les forces de défense ainsi que les personnes et les agents de sécurité locaux, nationaux et internationaux à protéger la vie de tous, en particulier des femmes, les enfants et à restaurer la paix partout dans le pays. En cette circonstance solennelle, nous réitérons notre déclaration adressée à l'Union africaine en février 2020 intitulé « Faire taire les armes ».« Faire taire les armes ». L'Afrique a eu assez de gens assoiffés de sang, comme Caïn, qui a tué son frère Abel sans aucune raison. C'est un acte offensant envers Dieu
Et par conséquent, nous devons toujours garder présent à l'esprit que toute forme de violence perpétrée contre un autre être humain est une offense contre Dieu et une violation de la dignité de la personne. Car chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On fait Genèse 1, 26-27. Nous lançons donc un appel à tous les chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté ici et à travers le continent et dans les îles pour intensifier la prière à Dieu pour la fin de la violence dans ce pays et ailleurs et pour une coexistence pacifique et une fraternité universelle. Chers frères et sœurs qui êtes ici et ailleurs dans le pays, soyez assurés de notre proximité spirituelle avec vous en ce moment de grande perte, alors que nous pleurons notre défunt bien-aimé. Souvenons-nous que le Christ, par sa résurrection, a définitivement détruit le pouvoir de la mort et la domination de Satan sur l'humanité. Continuons à célébrer des messes pour faire Laurent Cardinal Moussengo afin qu'il puisse passer de la mort à la vie. Et demandons aussi au Seigneur la consolation, le réconfort et la force pour que vous puissiez assumer et surmonter cette dure épreuve. Puisse son éminence le cardinal Laurent Moussengo devenir un fervent intercesseur pour l'Église famille de Dieu en RDC, en Afrique et dans les îles adjacentes. Cette Église qu'il a tant aimée et qu'il a servie avec fidélité, bienveillance et générosité. Que son âme repose dans la paix du Seigneur. Requiescat in pace. Dieu le Seigneur vous bénisse tous. Attendant la prise de parole par le cardinal l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Bongo, Mbuyal Mangal, le cardinal archevêque de Ouagadougou, Philippe Ouedraogo, a rappelé ce parcours de cet homme et à chaque fois il disait que c'est un grand homme pour la RDC, pour l'Afrique et le monde entier. Oui, c'est justement ça, la mobilisation, parce que maintenant on pourrait même se poser la question, mais pourquoi cet homme nous intéresse tant? Pourquoi une si forte mobilisation dans un contexte qui est fait de la particulier? Et la réponse trouve la réponse à cette question, c'est justement seules les 15 personnes citées, les deux chefs d'État,
le gouverneur de la ville province de Kinshasa, les cardinaux, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le président de la Conférence épiscopale de Tchad, le vice-président de la Conférence épiscopale du Congo, deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa et deux membres de famille de son éminence cardinal Fridolin, cardinal Laurent Ambongo. Et nous n'acceptons ni caméra ni appareil de photo. Deux membres de famille du cardinal Laurent Mosengo. Excellences, messieurs les chefs d'État de la République démocratique du Congo, de la République du Congo. Éminence, messieurs les cardinaux de la Sainte Église catholique, venus honorer votre confrère. Mes seigneurs, les archevêques et évêques, frères et sœurs dans le Seigneur, au terme, bientôt, de cette célébration qui clôture les obsèques de mon vénéré frère et prédécesseur, Laurent Cardinal Mosengo, un seul sentiment m'habite et que je voudrais exprimer, c'est celui de profonde gratitude. Cette gratitude s'adresse avant tout à Dieu qui a donné à la nation et à l'Église congolaise ses grands pasteurs. Et qu'il a repris, qu'il a rappelé, selon son bon vouloir, que son nom soit à jamais loué. Et puisque l'organisation de ces funérailles a mobilisé les efforts des uns et des autres, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au nom de l'archidiocèse de Kinshasa à quelques personnalités, je ne peux pas citer tous, mais il y en a que je dois citer. Je remercie de tout cœur Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son aide, particulièrement sa proximité et son soutien matériel, humain, technique, financier. Je suis profondément ému de la proximité de son collègue, comme on le dit, de l'autre côté du fleuve, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour sa marque de proximité. Même si nous savons qu'il y a des liens de famille, mais cette proximité, on ne le voit pas toujours
dans toutes les familles. Merci de tout cœur pour ce que vous êtes pour nous, pour notre Église et particulièrement pour notre grand pasteur Laurent Monseigneur. Notre souhait, c'est que cette proximité ne puisse pas s'interrompre, s'arrêter avec la disparition du grand Laurent. Ça doit continuer pour consolider nos liens entre nos différents peuples. Je suis très reconnaissant envers le président des deux chambres de notre Parlement, qui ont vraiment honoré le cardinal Laurent Monsengo en s'impliquant totalement et sur tous les plans pour que la célébration, surtout d'hier, devant l'esplanade du Parlement, puisse manifester pleinement toute l'importance du personnage qu'est le cardinal Laurent Monsengo, non seulement pour notre société, mais pour le monde. Nous avons travaillé, préparé, je peux dire, non seulement comme des institutions, mais ce que j'ai beaucoup salué, c'est l'implication des deux présidents en tant que personnes, aussi au nom de leur foi, au nom de leur amitié, au nom de toutes les considérations qu'ils ont pour le grand Laurent. Merci de tout cœur. Les fils et les filles de Kinshasa, Kinshasa, Telemeongenge, ces fils et ces filles expriment leur sincère gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur Jean-Denis Ngobila, gouverneur de la ville province de Kinshasa, pour son apport considérable afin que les Kinois et Kinoises puissent rendre un hommage digne au cardinal Laurent Monsengo. Dès l'annonce du décès, nous avons eu la première rencontre avec lui. Et avec lui, nous sommes venus ici pour inspecter les lieux, voir comment on allait disposer les caveaux de ceux qu'on pourrait appeler aujourd'hui de nos patriarches. Je dis un grand merci de tout cœur à tous les acteurs dont les efforts conjugués ont permis d'offrir au cardinal Laurent des funérailles géantes, solennelles et dignes. Je pense en particulier à l'équipe qui a construit le caveau que vous allez découvrir. Ils ont fait un travail impeccable en un temps.
la Laura Mosengo Pasinga, le père Mayel, Mayel Nyoso Angwana et Kei, le premier super grand professeur Massikana, Tata Laura Cardinal, la Sangwanga, la Colimandre qui a eu Penangé, la Baki, le Bébé Batu, le Bébé Batu, le Bébé Batu, le Sika Bako Kundabongo, Tata, Tana Laura Mosengo, le Bazali Sika Komima, Naba Kimbo et Naba Douayene, Basango Bakonja Badouayene, le Bameni Bongo, Tata Episcopo, Banso, Bazenko Betele et Maboko, Kobetele Laura Mosengo Maboko, Pona Gotodroye, Namaso Asali Okati Eklesia et Santo Catholique et Eklesia Bissau Congo Démocratique. Mbote ya suka na Laura Mosengo, Pona Mosala Kitoko Asali Otumba Monene Abundi, Pe Alongi Yango, Pe Lelo, Ake nda kopema na boboto manso makosalema oboso ya batata bakonji ya bikolo bibale Congo Kinshasa na pe Congo Brazzaville ba ebauti bon kozwa longoni ya tata Laurent tata Fridolin ambongo oyo atendi bango pe akomisi bango na manso masali oya matanga na pe bokundami ya tata Laurent Cardinal Mosengo Pasinga. Bino baye bozaye kolanda biso kati ya Mbantasa, kati ya Mutuka, kuna na Mai Ndombe, boyeba te likambo ya Laura Mosengo na mokili mwase esili mpona biso, biso na ye tokabwani kati tata Cardinal asali mosala monene. Aboti bana baike na molimo mpe bana baewana mbula na mbula, mobu na mobi, mikolo na mokolo, bakobosalaka soko mokete mosala moye. Episcopa Lokumu, Tata Cardinal, Laura Mosengo, Asali, Okati Eklesia ya biso Katoliko, Lokumu apesi na Congo Démocratique, Ondela Eklesia ya Santu, na misala ndenge na ndenge, oyo Asali. Soki bambula esengelaki, soki pe mibulu ezalaki lisusu mpona Tata Cardinal na tembe te, pourquoi pe kozwa papa ya mbula moto moyindo ekoki kozala Laura Mosengo, mpona wana tembe ezali soko mokete kasi. Wane zali posa mso bata mokili kasi kolo nzambe oyo akelaki ye ayebi te mosali na ngai molamu Laura Mosengo yaka kopema na boboto pamba te osali mosala mwa yo malamu esika kelasi esukaki Laura Mosengo akoma te na mosala abonga nzambe akomi te na suka eloko ya koloba mpe ya kosala mpona Mosengo ezali susu te ezali se kopesa lokumu na kolo nzambe na libonza kitoko apesaki na Congo Démocratique onzela ya mwana na ye Laura Mosengo Pasinga kokumisa ye na maso ya sali mpe ntango batomboli sanduku ya ye ao kati ya katedrale maboko mabetemi mabetemi makasi mpenza maboko mpe mabetamaki omobu nkoto ibale na jon ntango bamokelaki Cardinal oyo leko pape Benoît XVI azali kosakola bakombo bakokela Cardinal mpe ntango ekomaki na kombo ya Laura Mosengo maboko maboko magalaki kuna o katedrale Saint Pierre et Paul na Rome ntango basakolaki basilique basilique Saint Pierre et Paul ntango basakolaki kombo ya Laura Mosengo Pasinga Kinshasa eninganaki mokili eninganaki mpe yango esalemi sika awa katedrale Notre Dame mokili eningani bato babeti maboko mpona kopesa Laura Mosengo merci bon. Merci tata episcopo merci tata Laura Cardinal na maso sali okati Eklesia et Santo. Voilà, merci et merci mamie Léla Yapa. L'heure est aux émotions. Personne ne peut contenir en ce moment-ci. Et Muyal Mangal, le chant qui est entonné, maintenant c'est Victoire, tu régneras. C'est vrai, il y a la dimension spirituelle et là la dimension humaine. Sur le plan spirituel, on se prépare à la résurrection, mais sur le plan tout à fait humain, on réalise que nous sommes en train de perdre quelqu'un avec qui on a vécu, avec qui on a partagé la vie, avec qui on a échangé, on a rencontré, il nous parlait, et nous nous retrouvons véritablement devant la réalité, et ça c'est la réalité de la vie, la réalité qui touche au corps, la réalité qui touche à chacun de nous, que c'est un frère, c'est un cousin, c'est un pasteur, c'est cela la réalité. Et ça, ça dépasse à tout le monde. Ça touche au cœur, ça touche à l'émotion. C'est ce que nous sommes en train de vivre chacun. Et ça touche chacun de nous
dans la profondeur du cœur, ça touche à la profondeur de l'âme et ça dépasse toute mesure. Les larmes coulent dans la plupart de visages ici. Nous sommes le mercredi 21 juillet 2021. Il est 14h10 exactement. En ce moment, les corps du cardinal, l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Pasinya, est en train d'être mis en terre dans un caveau ecclésial aménagé ici. Crypte de la cathédrale Notre-Dame du Congo. 15 personnalités entourent le cercueil en ce moment. Les protocoles ecclésiales l'ont dit. En dehors des deux chefs d'État, il y a les cardinaux présents ici, mais également un échantillon représentatif, même au niveau du clergé. Deux membres de famille, deux seulement, sont arrivés, dont le jeune frère, le sénateur Kaniki, qui assiste en ce moment. Mais c'est un caveau qui sera ouvert au public. Aussitôt après l'inhumation, il sera ouvert. Et tous les chrétiens, ils ont dit pendant 2 jours, ce caveau sera ouvert au public pour voir le lieu de l'inhumation du cardinal Mosengo Pasinya aux côtés de ce prédécesseur, les éminences cardinaux, le tout premier Joseph Albert Malula, le second qui est Frédéric Essaou Nzabiba Mungwabi. Et puis Laurent Mosengo Pasinya qui rentre dans ses pantalons ici dans la cathédrale. Donc des larmes qui coulent, des regards, c'est l'expression de cet attachement de Congolais, quel qu'il soit, chrétien, catholique ou non. C'est d'abord un patriarche, une icône, une personnalité de son environnement politique et social qui s'en va aujourd'hui au terme de 3 jours. 3 jours marathon, 3 jours d'hommage. Tout a commencé à l'aéroport international d'Ndjili, c'était le dimanche, lorsque le corps est arrivé à 14h47, heure de Kinshasa. On a vu le larme couler, toute cette population qui a vu arriver finalement le cardinal Laurent Mosengo couvert dans un cercueil en bois d'une sobriété rare. Le cortège avait traversé la ville sous le pleur des chrétiens et d'autres sympathisants jusqu'en ces lieux, à la cathédrale où avait été organisée la première messe les jours même de l'arrivée. Lundi était un jour de préparation. Il faut dire que là aussi, comme nous l'avons souligné, c'est un homme d'exception. Vous avez dit que la messe a été organisée. En principe, selon la liturgie catholique, on n'organise pas les messes des requiem les dimanches. Mais exceptionnellement, pour lui, la messe, il y a eu quand même cette messe, mais selon la liturgie catholique. Les couleurs mauves sont rarement arborées les dimanches, ouais. Presque pas. Ouais. Dimanche, c'est jour de fête. Si c'est pas le vert, c'est le blanc. Le rouge pour les messes solennelles. Ouais. Mais exceptionnellement, ces jours-là, on a vu le clergé avec les violets qui est la couleur liturgique des deuils. Effectivement, lundi, c'était un jour de préparation pour cette grande célébration à l'esplanade du Palais du Peuple, un lieu qui peut accueillir jusqu'à 200 000 personnes, mais seulement 10 000 avaient été admis en présence de 2 chefs d'État, en présence de plusieurs personnalités du monde politique et culturel venues un peu de partout. De pays voisins, ils sont venus de partout pour cet hommage. Et puis et voilà aujourd'hui, au terme de ce culte œcuménique qui a été concélébré par le collège cardinalis, le Monseigneur Draogo, oui, Draogo était le président, mais l'homélie a été assurée par un autre président, par un autre cardinal, c'est l'archevêque de Bangui. Les absoutes assurées par un autre cardinal, c'est le cardinal de Kigali. Et en ce moment, c'est un autre cardinal qui est allé bénir les caveaux. C'est ça qui fait l'unité de l'Église. Donc l'Église s'unit
autour, parce que l'Église croit à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ comme le fondement. Et donc, qu'on soit de telle ou de telle nationalité, mais comme chrétien, on se retrouve autour des faits qui fait l'Église. C'est ça qui fait la foi. L'universalité. L'universalité de l'Église et surtout l'universalité de la foi. Autour de ça, on partage une même foi. Dans la profondeur de la pensée, il y a des cantiques, il y a des chants qui accompagnent, qui expriment la dimension et à la fois de la foi et la dimension de la douleur. Et comme chrétien, il arrive qu'on se retrouve face à des situations difficiles, il faut lire le mystère douloureux. Le mystère douloureux sont parfois les moments qui accompagnent le chrétien à comprendre sa propre souffrance. Lorsque il vous arrive de penser que Jésus, devant le phénomène de la mort, lui aussi a eu un cœur troublé. Et la preuve, il demande il se retirer au jardin de Gethsémani pour prier. C'est le plus grand moment. Et il laisse quelque part ses disciples, il leur demande, il avance et tombe par terre. Comment son corps commence à se tuer de sang. Et l'évangile, les évangiles nous rappellent ça. Et quand il revient, il trouve qu'humainement, ses disciples ne sont pas en mesure de l'accompagner, de tenir le coup. Il est en train de dormir. À un certain moment, il dit, vous pouvez continuer avec le sommeil parce que ce qu'on attendait va finalement arriver. Et là, il est pris par ses adversaires. Judas, au devant pour venir le saluer. Bonjour maître, comme si c'était le plus important. Ça arrive à chacun de nous. Lorsqu'on se retrouve devant ces moments difficiles, il faut lire. L'Église nous propose de lire le mystère de l'Église pour vous accompagner. Même notre Christ, le Seigneur, devant la mort a été troublé. Ça arrive à chacun de nous et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment-ci. Oui, mais le Christ lui-même était humain, il a vécu toutes les conditions humaines sauf le péché, et donc c'était tout à fait normal qu'il a souffert dans son corps. Fais miséricorde à ton serviteur Laurent Cardinal Monsengwo qui va assouvir le châtiment pour ses fautes. Parce qu'il a le désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait ici-bas au peuple de tes fidèles. Que ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère cardinal Laurent repose dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.